Hey tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 2. On continue à tuer les mêmes personnes que j'ai tuées dans le premier épisode, pardon. Excusez-moi. Hop, on va aller en haut. Je crois qu'il y a... enfin, j'ai cru qu'il y avait un mec qui me suivait. Donc épisode 2 de Nioh. Hop, on va tuer le balèze là. Hop. Oui. Eh ben là, dis donc. Épisode 2, ben on a recommencé. Non, je sais pas. Épisode 2, le mec il a gagné, il fait son musclo. Eh oui, PGM. Non, quand je dis ça, je déconne. Hein. Le mec il est là-bas, donc on va passer crème là-bas. On va essayer de tuer directement le petit mec là. Voilà. Hop, on va éviter par monsieur le moine. Non, je déconne. Par le gros gaillard là. On va éviter de se faire tuer par lui. Et puis. Bah dis donc, c'est tout ça que... C'est tout ça ton ampleur. Oh, j'ai eu de la chance. J'avais juste à te mettre un petit coup et t'étais mort. Donc, hop, on va prendre l'énergie. Hop. C'est mieux de reprendre de l'énergie. Ah, ben ok, bon ben. Vu que je suis mort, on va essayer de tenter de trouver quelque chose d'autre du style. On passe sans tuer les deux gogoles. Hop, tu m'as pas vu. Je suis tellement monté rapidement pour lui. Excusez-moi, que le mec là, il... enfin bref. Hop là. Hop. On va mettre notre petit viseur. Grand gaillard. Ah, il m'a touché quand même. Allez, viens. Ah. Non. Et vite. Ah bah. Sur le coup, je me disais, mais... Hop là. Bah viens, qu'est-ce que t'entends? What the Z? What the Z? Why? Aïe, bon bah je suis mort. Trop du cul. Hein. Moi je fais ce cri là, quand on me tue quoi. On me dit Bastien, viens ici, pourquoi t'as gueulé? Ah ben, je sais pas, c'est mon jeu. Ah bon. Et ouais. Ah, sur le coup je me disais où est-ce qu'il était? Ben, il est là, il est mort. Tant mieux d'ailleurs. Ça me fait un petit peu tourner la tête ce truc. Allez, ouf. Non, c'est là. Bah qu'est-ce que ça attend? Oh, ça c'est con ça.
Nickel. Alors, il va envoyer son loin. Bon, là, c'est tout à fait normal qu'on se fasse plomber. Ok. On va essayer. On va essayer de pas se faire tuer. La logique, c'est que je n'ai pas trop le temps de lire. Vous voyez le qu'il écrit, parce que la femme écrit à la fin. Enfin, la femme, la... son ange gardien, écrit à la fin. Quand il transforme le mec en, enfin, en pierre. Enfin, bref, vous m'avez compris. Mais je vais vite fait jeter un coup d'œil. Alors, on va mettre notre visière dessus. C'est tout ce que t'as dans le ventre. Déjà. Oh. J'ai rien dit. Hop, on va quand même boire notre gin tonic. Conserver nos forces. Ok. Donc, conservez vos forces. Aïe, mais moi il m'a touché, il m'a emporté. Ok. On va essayer. Ouf. De le tuer comme ça. Pour ma part. Ça a l'air plutôt speed. Voilà. Ouf. Voilà. Ok. Ça l'a tué d'un coup sec. Ça, c'est super bon. Épisode 2, on va tuer. Y a pas le choix. Je vous laisse visionner ça.
Alors épisode 2, donc on va choisir pas la lance, mais on va choisir de préférence, on va choisir ça. Moi j'aime bien ça, donc on va choisir ça. On continue avec ça. Alors, let's go. Donc ensuite on va prendre ceci. Le journal assure aussi que les samouraïs sont experts aux arts martiaux. Totalement raison, moi j'en ai fait aussi. D'abord, ils savent quelle posture de combat adapter, quelle que soit la situation haute, moyenne ou basse. Ensuite, après chaque attaque, ils se préparent à l'assaut suivant en concentrant leur kick. Ouais, ça je sais. Ou énergie intérieure. Enfin, quand leur kai est prêt, les samouraïs peuvent se servir de techniques de purification pour débarrasser leur environnement des maléfiques. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je sens que j'ai une compétence innée pour saisir ces concepts et que j'ai expérimenté maintenant fois chacune de ces techniques. Let's go les amis. Selon ce journal, Zimpengi est le foyer de 8 millions de dieux et de divinités. Je ne sais pas exactement comment il y en est qui est arrivé à ce chiffre, mais en posant le regard sur le rivage, je suis frappé par la sensation qu'un mystérieux pouvoir est à l'œuvre et veille sur moi. Cette énergie me rappelle vous me direz en commentaire comment il faut dire. Je ressors le journal encore une fois. Et en parcourant les passages jusqu'à jusqu'à trouver l'esprit gardien qui correspond le mieux à la force que je ressens. Excusez-moi. Donc voilà. Alors. De Baiwichi. Plus un. Compétence. Un faucon gardien, c'est ce que j'ai. Donc, on va garder ça. Mais écoutez, on va continuer les amis. Si vous jouez pour la première fois, nous vous recommandons de faire une mission de didacticiel. Non, ça va, t'inquiète pas, ça va aller. J'ai eu déjà la dose. Alors, les canaux sont pris pour le débarquement malgré tout. Tout ce que j'ai lu sur ce pays, rien ne peut me préparer à ce qui m'attend à présent. Je pose le journal et quitte le... Enfin, ma cabine, plutôt. Donc, l'épisode 2 va se finir sur ce. On va quand même un petit peu continuer pour vous faire un petit épisode 3 très prochainement. Je vous souhaite une belle vidéo à tous et à toutes. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker ces deux épisodes qui sont franchement super bien faits. Et surtout, j'aime bien ce jeu quoi. Donc voilà, moi je l'aime bien et puis on continuera après de manger. Alors, montrer au niveau, monter en niveau, faire monter un niveau.
Magie, esprit, cœur, pourquoi pas, force aussi. Par contre, je m'en souviens plus. Comment on peut monter le level? Curseur. Ouais, bon, ben, on montera plus tard. Changer des esprits protecteurs, non. Bonus. Invoquer un visiteur. Ça, c'est pas mal. Non, c'est pas ça encore. Faire une offrande. Chemise. Bon, ça va aller, on va rester comme ça. Bon ben voilà, épisode 2 fini. J'espère que vous avez aimé. Je ferai les épisodes 3 et 4 dans la soirée sûrement. Mais sinon, tenez-vous à faire que je fasse deux autres épisodes, ainsi de suite, par la suite. En tout, vous comptez les jours jusqu'à la sortie de Sniper Elite 4 ainsi que Off Honor, que je vais essayer peut-être la bêta tout à l'heure si elle marche. Bref, si vous voyez que je fais des autres vidéos sur un autre jeu, c'est-à-dire Sniper Elite 4, pardon, ben je vais en faire, ne vous inquiétez pas. Aussi, je vais faire sur des autres jeux qui sortent. Enfin, il y en a un qui sort le 1er mars et l'autre il sort le 7 mars. Donc c'était Bastien Mélie 83260. On se retrouve pour les deux épisodes prochainement. Je vous dirai la date des épisodes, mais ne vous inquiétez pas. Sur ce, peace. À la prochaine, très bonne soirée. Je vous remercie. N'oubliez pas de lâcher les likes. J'espère dépasser aussi le nombre de vues sur cette chaîne YouTube. Et je vous donnerai ainsi que le nom de ma deuxième chaîne YouTube. Très prochainement, bien sûr. Sur ce, peace, les amis. Bon appétit à tous. Très bonne soirée à tous. Et à demain.